En Indochine, pendant ce temps, la conférence de Trungia s'est achevée avec l'entrée en vigueur totale du cessez-le-feu. Les chefs des deux délégations qui avaient été chargés d'en aménager les clauses, le colonel Lennuyeux et le général Viet Minh Dung, ont fermé leur dossier. Trungia a fini son rôle, celui de la commission d'armistice des pays neutres va commencer. Et déjà, sans plus attendre, ceux des habitants du Delta qui ont opté pour le Vietnam ont commencé leur exode vers Haiphong, où les autorités françaises prennent en charge les réfugiés pour les acheminer vers Touran et Saïgon. Ainsi se trouve commencée l'évacuation du quadrilatère Hanoï-Haiphong, qui doit, au terme des accords de Genève, faire retour au Viet Minh et que les troupes françaises auront évacué dans 300 jours.